Et nous voici arrivés. Où es-tu? Je te perds. C'est tellement grand là-dedans, je te vois même plus. Comment tu dis? Tu fais ta valise, tu retournes chez ta mère? Ouais. Là? Je sais pas. Rien? Non, je connais pas. Et où on va? À Copane? Après une visite de Guatemala City, nous allons prendre la route vers l'est pour nous diriger vers le Honduras. Donc on a pris cette route-là. À partir de là, on a emprunté une piste, difficilement carrossable d'ailleurs, pour rentrer au Honduras pour aller visiter le site de Copan. Donc après le Honduras, nous repassons la frontière, puis nous allons nous diriger vers le lac Izabal. Nous passerons une nuit, puis on repartira vers le Rio Dulce pour la visite de Livingston. Alors au retour, nous sommes revenus par la même route, puis nous avons fait une halte sur Quirigua, que nous avons visité. Puis après cette visite, nous avons été également visiter une bananeraie qui se trouvait dans cette zone-là. Puis nous avons rejoint Guatemala City. Ici, comme artisanat, ils font des balais.
Nous allons prendre un bateau qui va nous emmener sur une île où se trouve notre hôtel. Ah, bon.
après une heure de canot, nous arrivons sur Livingston, placé sur la côte de la mer des Caraïbes. Coiffure, petite ruelle, restaurant. Préparation du poisson. L'orage tropical est en train d'arriver. J'ai l'impression que ça va tomber sérieusement. Nous arrivons sur un autre site maya, Quirigua. Celle-là est un peu plus ancienne, 761. Il y a un autre arbre là. Alors il a le masque du jaguar nocturne dans la main, donc là il est mort. Dans la main, il a le serpent à deux têtes, il fait plusieurs fois le tour du corps. Voilà du mouvement des astres dans la voûte céleste, qui représente aussi le pouvoir et le savoir donc de se communiquer avec les dieux. Alors, Le temple complètement colonisé par des fourmis. Ils vont chercher dans la jungle les feuilles. Sportif, Sylvia, sportif. On va voir comment tu mets les jambes. Ça va, c'est sportif.
m'arrête, hein, il faut une pause. Ça y est. C'est bon. Après les pyramides, après les mayas, les temples mayas, une immense bananeraie. Espèce de télésiège pour le transport des bananes. Notre voyage, nous sommes plutôt dirigés vers l'ouest. Nous sommes partis donc de Guatemala City pour remonter dans cette direction, suivre cette route-là pour aller jusqu'à Quetzaltenango. De là, nous avons visité quelques villages aux alentours très typiques où on a vu de superbes marchés. Ensuite, on est revenu vers le lac Atitlan où, après avoir pris un bateau, nous avons visité deux villages, entre autres Santiago et puis un autre village se trouvant sur le côté. Puis en repartant, nous avons repris ce chemin pour aller jusqu'à Chichicastenango. Quetzaltenango, deuxième ville du Guatemala. L'église, ravagée par un tremblement de terre au début du siècle. Un orchestre. Sylvia. Devant une banque, comme il se doit. Extrêmement bien gardé, bien sûr. Il y a souvent des attaques. Tout est gardé. Alors il y a trois. Oh, un marché typique, légumes, colorés, magnifiques. Gracias.
tu peux faire un peu là. Un marché aux bestiaux. Ah bon, c'est pas mal, ça s'est passé. Ahí este es el más grande, mamá, este sí lo estamos realizando esta mercadería. Este ya viene revisado. Le voy a decir que viene quebrado ahí en lo que es de las varillas, porque vea, dale, lo saque, no te da pena. Seguimos invitando, seguimos estudiando a toda la realización. Lucien.
voilà. Le chic. C'est vrai que c'est fait à la main, mais c'est beau. Hein. Je le trouve pas joli. Non, non, je le trouve pas joli. Il me plaît pas. Non. Celui-là, ça compte, ça, ça faut voir ça avec la femme. Hein. Non. L'église de Saint-Andréas. Accès par une route difficile. On n'y lave pas que le linge. En train de regarder le bain des hommes.
loin, deux volcans, le premier le Tolimaï et le deuxième le volcan Atitlan. Bonjour, nous voici sur le marché de Santiago Atitlán, la ville qui se trouve juste au bout du lac. Le volcan côté du village. Attention, on va tout vous déballer là. Allez, trop. Ça, c'est... Un peu la pêche. Les fruits qu'on a vus sur le marché, sont... ils viennent d'ailleurs. Lesquels? Il y avait des pommes, des pêches. Ah oui, ça vient de la région de Chichicastenango. Ouais. Alors les hommes et les femmes de ce village. Très chiquens. Alors il fallait des endroits faciles à défendre. Du lac, la construction des villages comme ça ici. Oh, pour le papier, comment ça?
aussi parti visiter Chichicastenango, qui se trouve ici. Un superbe hôtel. Colonial. Allez, Chichicastenango, c'est le jour du marché. Dimanche. Un mélange de rites maya et chrétien. La sortie de la messe. Thank you.
passe par une demeure où quelques perroquets sont en train de prendre le soleil. Le cimetière au loin. Mondial 98 dans l'hôtel de Chichi Castel d'Angour. D'un côté les Français, de l'autre côté les partisans des Brésiliens. On plaisante pas. De retour vers Guatemala City. Des embouteillages dus à des travaux sur la Panaméricaine. Alors, après un retour vers Guatemala Ciudad, nous avons pris l'avion pour la région du Petén. Nous avons visité donc Tikal dans un premier temps, puis ensuite route vers Sayache. Le lodge se trouvait par ici. Visite du site d'Aguateca et de Ceibal. Puis ensuite, retour vers l'aéroport qui nous a emmené vers Guatemala Ciudad. Voici arrivé dans le Petén, au nord du Guatemala. Le lac Itza.
Le plus haut de l'hôpital, temple de Saint-Paul-Bicéphale. Et après voir temple de Saint-Paul-Bicéphale, on va traverser de la forêt ici et on va traverser le complexe principal de Muerte Alto 12 et la chaussée Mendes qui commence derrière temple numéro 1 pour aller jusqu'au temple 6. Pour mémoire de M. Modesto Mendes. La maquette. Qui font leur nid avec ça. C'est le mâle qui va chercher le matériel et la femelle, elle tisse le nid. Et la femelle, elle met 15 jours pour tisser le nid. Et on verra les nids là-bas derrière ton clou. Il y en a qui me croient aussi, c'est une grosse, mais ça me grince. Alors là, c'est bien. Je peux pas en ramener un. Non. Peux pas en ramener un en France, non. Comme ça. Ouais. Ah non. Ils sont. Il faut se tenir, un petit peu en haut. Mais on a eu un accident. Il y a tout ça. Moi, et après 18 mois par 20 jours, c'était un an, un toun, un an, et après le katoun, 20 ans, baktoun, khatsonson, et après c'était le piktoun, kinchiltoun et alawaltoun. Encore une montée bien difficile. La jungle au loin. Avec la pyramide du temple perdu.
que je voulais faire en photo. Qui est perdu là dans la jungle. Cale. Nous voici vers une piste qui va nous emmener vers notre hôtel. Attendons une voiture pour nous escorter pendant les 75 km. La police est prête. Allez, en route sur la lagune. Oh, le bac. Une arrivée épique dans le lodge ce matin, un temps chaud et moite nous attend. Nous sommes arrivés là sous un violent orage et dans le noir absolu. Et que les archéologues sont faits maintenant. Et après, on va arriver par ici. Et ici se trouve le pont qu'on va traverser. Il y a un pont, on va traverser. Et on va passer au milieu des deux pyramides. Et ici, on verra les stèles. Il y a des beaux stèles ici. Après, voir les stèles et tout ça. Donc, on fait un demi-tour et on revient par ici. On redescend. Donc, ça, c'est la. Tout le site là. Les martins pêcheurs. Les martins pêcheurs, oui. Attention. Attention. Il y en a déjà, ça se tord. Les martins pêcheurs pour dénicher la femelle, il offre un repas de noces 15 jours tous les jours.
ils passent pas vite, elles ont le temps de rentrer là en plus. Ah si, il va passer. Voilà, Rémi, il est bien Rémi. Tiens, t'aimes bien les scénarios que t'as proposés. Oui. Avec Marie, vous avez bien compris. Avec plaisir, hein. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Si je ne m'enfonce pas dans la boue. C'est écrit en deux langues, c'est l'espagnol et le quechi. C'est deux langues qui se parlent ici aussi. Les gardiens du site qui ont fait un feu pour chasser les moustiques. Oh, une superbe faille. Ça sera filmé, hein. C'est pas bon, hein. Ah, on monte, ça doit être pas mal. Voilà. Mais il faut descendre. Pas moi, Marie. Oui. Combien de profondeur est fait celle-là? Ici, 90 mètres, mais ça commence ici à former, donc il est à 60, 70 mètres. À... Oui. Oui, oui. Non, déjà c'est bon là, ça ira. Mais il y a des voies. Première halte, ça fait 2 heures que l'on marche. C'est plein de moustiques. Oui, on voit bien là. Ah ouais, mais il faudrait que tu sois sur le pont là, parce que... La main, il y a une main ici, la main gauche, comme ça. Ici, il y a une main avec le... Ça, tu vois, et on voit des gouttes de sang qui tombent de la main, qui représentent autosacrifice. Autosacrifice. Les hiéroglyphes que les archéologues ont trouvés ici, et, il a amené les os de son frère comme ça dans un paquet. Ici, là, on voit le loup. Et après, on voit comme une tête ici, debout, comme ça. La tête debout, ça veut dire monsieur. Ici, à l'envers. Ici, c'est le symbole, l'emblème des Aguateca. Ça, c'est le symbole. Un arbre pour s'appuyer ou sur le gratter le dos.
On a tout quitté dans les... Ah, attention. Mais tout seul dans les fourmilières, c'est bien ça. Oui, c'est vrai que ça fait un beau bruit. Allez, redescend jusqu'au bateau. Parce que quand il y a des gens qui sont de mal à marcher, oui. On monte de vie. Allez, le retour est difficile, hein. Elle a voulu la jouer Rangers. Voilà, c'est reparti pour une heure de marche pour rejoindre le village voisin. Ah tiens, dis donc, tu nous prends une petite tranche de son ce soir. En espagnol, ça se dit comment? Huevos de obispo. Un énorme crapaud. C'est pas moi l'énorme crapaud. Hein. Non. Ah, les fourmis. Pleine jungle. Petite plantation de maïs. On brûle le terrain et on plante le maïs pendant 2 ans, puis après on laisse. L'instituteur, avec son école un petit peu plus loin, et voici l'école. On va passer par là pour marcher un petit peu. On va prendre un petit peu par là. La chatte bonbon à l'épicerie du village. L'épicier satisfait. C'est la fête de mer. Je ne sais pas si tu as un. 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 Je ne sais pas si tu as un.
rien pensé. Ah mais je vais rien. Oh là là, en fait ça va pas, elle est tellement belle à l'œil nu. Attends, c'est de voir ça que j'avais. Voilà les belles. De la papa. Regarde, je veux pas sortir. Je vois pas bien. T'as moustique quoi. Ah, c'est les moustiques. Ils ont dit qu'ils vont mettre de l'eau, comme ça il va sortir. D'accord. Ah, est-ce qu'on va les noyer? Dis donc, c'est une araignée de linge. Bah dis donc, c'est une araignée de linge. Oh mon dieu, oh, c'est dégueulasse. C'est quoi la partie où il y a du rouge là? Chasse à la migale. Adios. Heures du matin, départ pour une autre marche. Lever du soleil. Pas pour les moutons. Ah oui, c'est pour la chambre. Ouais, parce que c'est pour la peine. On va faire un arrêt de 10 à 15 minutes ici.
l'archéologue allemand, il est venu ici. Il a baptisé le site comme Seibal parce qu'il a trouvé plusieurs arbres fromagers, comme on voit ici. Il y a un arbre fromager là, donc il y a beaucoup d'arbres fromagers ici. C'est pour ça qu'il appelait Seibal le site. Ça vient de Seibal. Un sage hurleur. Mais il faut faire attention de ne pas regarder dans le tas ici parce que des fois ils tombent tout en dessous. Ton... C'est de face, mais il, le personnage il porte un masque. C'est un masque des singes. Tout un groupe de Guatémaltèques qui vient faire un pique-nique sur le site. Oui, c'est dans le même groupe ennu que moi. Ils habitent à Souni, à côté de Quetzaltenango, où vous avez beaucoup de légumes. Ouais. C'est pour ça qu'on a discuté avec le monsieur, parce que bon, on parle la même langue. Visite de Guatemala City. Cette lampe, donc il y a 3 tonnes de cristal de Tchécoslovaquie. Et donc ça c'est une des presque les seules parties importantes. Au zéro. Là on voit un vrai quetzal au fond. Le quetzal. Le palais présidentiel, la cathédrale, c'était bien le mondial. En partant de la capitale pour aller vers l'ancienne capitale, Antigua, qui se trouve ici. L'ancienne capitale. Surchargé, ça vient de l'architecte Churriguera. Le nom. Et en plus, il y a des éléments indiens. Par exemple, il y aura longtemps, jusqu'à ce que M. Popino, Vincent Popino, un botaniste et agronome américain, qui était venu ici, il l'a acheté en tant que, pour lui, de presse, et l'a restauré. Mm.
magnifique demeure. Il y a deux fours à pain qui, de temps en temps, sont encore utilisés. Dans le coin là-bas. Oui. Filtre. Le jardin à épices. Une heure sur dix. Sur la terrasse, une vue sur la ville et sur l'Agua qui est complètement dans les nuages. J'ai fait la sortie des écoles des jeunes filles. Certaines parties de l'hôtel Saint-Thomas. En jaune, peint soit à l'éponge, on voit des différentes couches. Le volcan, la tête dans les nuages, et le résultat de ces éruptions. Plus ou moins conservé, et le couvent, c'était les propriétés qu'on voit maintenant à côté. Maintenant, ce sont des résidences particulières. La chapelle. Bon. '73. D'abord, il y a eu la première cathédrale, on voit de la ville, de la cathédrale. La première a été commencée en 1545. Donc, vraiment le début. Tout le monde est d'accord, c'est pour démolir la première. Tu me lèves la pierre.
mange du pain, on va pas croire que tu as bien mangé. J'ai pas mangé un pain. Voilà comment se termine le séjour au Guatemala. Elle fait un sourire. Non, t'es triste, c'est vrai, parce qu'on s'en va, donc t'es triste.